C'est Jésus. Et Jésus allait où? Il allait dans la maison de Jaïrus. Pendant qu'il allait chez Jaïrus, la femme atteinte par perte de sang a manifesté sa foi. Jésus n'a pas reçu l'ordre ou l'instruction particulière au sujet de cette femme. Alléluia. Mais elle a eu la foi pour être guérie. Elle a touché Jésus. Dis-le le plus fort. Mais Jésus allait chez Jaïrus. Il allait dans la maison de Jaïrus. La maison allait dans la maison de Jaïrus. Mais la femme là a décroché son miracle. Alléluia. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je vais te montrer comment accéder à la guérison par la foi. Manifeste ta foi. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ne vois personne où tu es. Manifeste ta foi. Ne sois pas un assistant. Ne sois pas une assistante. Dis-le le plus fort. Engage ta foi. Si je ne te touche pas, touche Dieu. Si je ne viens pas chez toi, tu dois le toucher. Il va chez Jaïrus, viens le toucher. Il va chez Jaïrus, toi viens le toucher. Il va chez Jaïrus, toi va le toucher. Elle était violente dans la foi. Elle a reçu son miracle. C'était pas son tour. Jésus allait chez Jaïrus. Puis dans la maison de Jaïrus. Voilà comment Jésus. Voilà comment les choses se passent. Tu peux recevoir ton miracle. Même si Jésus n'est pas descendu aujourd'hui pour toi. Même s'il n'est pas là pour toi. Mais si tu as la foi, tu peux venir prendre ton miracle. Au moment où ils vont dans la maison de Jaïrus, tu reçois le miracle. Alléluia. Je veux aujourd'hui que toi, qui as un problème de santé, même si tu n'es pas dans le programme de Dieu aujourd'hui, sois cette femme-là. Et toi aussi, qui es comme Jaïrus, qui est le problème de Dieu aujourd'hui, manifeste ta foi. Ne vois pas ce qui se passe dans ta maison. Parce que lorsque Jésus allait chez Jaïrus, on a dit, ça ne vaut pas la peine de venir parce que la fille est morte. Alléluia. J'aime parler de ce mystère-là. Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'on avait dit. Jésus a continué sa marche jusqu'à la maison de Jaïrus. Et lorsqu'il arrive à la maison de Jaïrus, il voit la fille de Jaïrus déjà morte. Oh, dites-le plus fort. Jésus n'a pas hésité de dire, jeune fille, lève-toi. Il a dit, lève-toi. Sans tenir compte de la réalité, il a parlé et le mort s'est levé. Il s'est assis, on lui a donné à manger. Dis-moi le plus fort. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Engage ta foi.